Mais oui, Rodriguez est un ami fidèle, comme on n'en fait plus de nos jours. Même si des fois il est pendu pour nous faire peur, arrête d'être épileptique, Rodriguez, ça suffit. Ah! Oulala, mais c'est profond comme marécage! Excusez-moi, je ne savais pas! Bon, bah sensiblement, c'est pas par là qu'il faut que j'aille. Désolé, hein! C'est pas comme si on y voyait quelque chose! Mais par où faut que j'aille, du coup? Par là? Hop! Hé hé! On saute tel Grégoire la grenouille, à travers le décor luxuriant de cette jungle. Ok, là ça a l'air d'être passé. Oh, j'y vois rien. S'il y a un machin qui surgit, je vais peut-être... C'est trop drôle quand il vise toi parce que... il marche, il a pied. Et là... Oh, il disparaît. Oh non, voilà, est-ce qu'il faut que je reste sur des cailloux? Attends, mais là je peux marcher, là il y a Rodriguez, je peux forcément marcher ici. Ça n'a aucun sens! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah bah oui, en fait, tout simplement. Je suis débile. Il faut juste rester sur les îlots. Parce que les marécages, c'est super dangereux. Et que quand on tombe dedans, on se noie de la mort. Hop. Lui, il est tout rouge, là. Il est rouge, ce caillou. Hein. Moi, je vais pas dessus. Hein. Moi, tout ce qui est rouge et qui est dans l'eau... c'est pas une bonne... hein? Une bonne expérience. On s'amuse à faire comme Grégoire. Ah non, mais lui il est rouge et j'ai pas envie d'y aller là. J'ai un autre chemin, je pense. Oui, j'ai un autre chemin là. Hop. Hé hé. Il y avait un caillou là. Tu vois le caillou rouge? Je le sentais. C'est pas bon ces trucs. C'est plein de pièges. Je le savais. Y'a rien là, je peux y aller là. Oh non. C'est rouge là. Hop. Yes. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que ça passait pas. Hop, hop. Merde. Ouf, oh, j'ai eu peur. Hop là. Yes. Pas mal, je m'éloigne de mon objectif, j'ai l'impression. Hop. Yes, c'est bon. Hop, hop, le bosquet. Le bosquet qui tue. La suite, c'est là. Parfait. J'ai réussi. Yes. Et voilà, Marie-Madeleine! Ton marraine n'aura pas eu raison de ma volonté de faire, de triompher et de survivre dans cette apocalypse cognitive. Bon. Les lampadaires sont allumés. Ils indiquent donc le chemin sacré vers la rédemption rédemptative du marécage. Bon, alors maintenant qu'on a fait le marais, on va retourner à la maison et on va aller lire un livre dans le lit. Histoire de temporiser toutes ces émotions si particulières qui nous assaillent depuis beaucoup trop longtemps. Tes pommes sont toujours là, Marie-Madeleine. Je refuse de tomber à nouveau dans ton piège. On est allé là. Oui, là, c'est de là dont on vient quand on descend, je crois. Ouais, c'est ça. Ok. Super. Ben, on a fait ce qu'il fallait faire là-bas. Mais attendez, ça ramène à rien, ça. J'ai dû louper quelque chose. Je sens que j'ai loupé quelque chose. Est-ce que je peux re-sauvegarder? Ah ah! Eh oui! Et si on éteint la flamme et qu'on la rallume, qu'est-ce qui se passe? Voilà! Parfait! Parfait! Je refuse de retourner là-bas, c'est la mort. Mais là, on a fait ce qu'il fallait faire. Je refuse d'y retourner. Ah non, mais je retourne pas, c'est mort. Moi, je me casse! J'en ai marre! Je vais aller vomir dans la maison. Oh! Ah, mais c'est le tremplin, vous vous souvenez? Là où je voulais faire une superbe... un super plongeon. Et que le jeu l'a fait... Nope. Ah oui, bah moi je m'en vais, hein. Si la montagne s'écroule sous mes pieds. Oh non, oh, je peux pas monter là. Eh bah oui. Eh bah oui, je peux pas.
Parce que cette planche n'est pas mise comme il faut. Et je n'ai aucun talent pour déplacer des planches. Je peux même pas bouger un putain de morceau de... Oh, ça bouge ça? Oh non. Mais comment je peux faire? On est d'accord que je peux pas y aller là. Et hop là, même en prenant un petit peu d'élan, même en faisant du surf là-dessus, je ne sais pas par quel miracle. Au pire, je deviens Spider-Man et je monte. Enfin, je veux dire, à un moment, à problème compliqué, solution simple. Je deviens Spider-Man et je monte. Hein? Bon. À un moment, il faut aussi savoir... voilà. Et oh! Et si je... Ah non, non, c'est pas assez haut. Oh, attends, mais il faut que je prenne de la hauteur et que j'aille de ce côté-là, en fait. Et oui, regardez comment je grimpe. Comment je gazelle sur les montagnes. Tel... un bouquetin des Alpes. Hop. Hop. Ouais, non, mais c'est pas ça. Bon. Aïe. Oh non. Oh non, 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 je suis perdu. Je suis perdu. Aide-moi. Oh, il y a un papier là. Il y a davantage de ces curieux hôtels éparpillés aux alentours. Quand on les embrase, le feu dégage une chaude lumière et le pouvoir qu'ils contiennent s'éveille. Les flammes semblent libérer quelque chose en se consumant. Cela peut paraître étrange, mais le simple fait de me tenir dans leur lueur vacillante me remplit d'un sentiment de pouvoir. Et même si je suis piégé dans ce terrible endroit, pendant un court instant, je me sens en sécurité. Je suis persuadé que les hôtels sont tous interconnectés et que leurs énergies s'accroissent avec chaque nouvelle flamme que j'embrase. Je ne peux pas rester ici. Plus je m'attarde dans cette forêt, plus elle devient redoutable et le temps est compté. À chaque instant, cet endroit se transforme et s'adapte à ma présence. Je me sens comme pris au piège dans un chaudron rempli d'eau qu'on porterait doucement à ébullition. Mais quelle horreur! Je refuse d'être cuit dans une marmite comme un vulgaire potage que l'on aurait oublié sur le feu. Marie-Madeleine! Est-ce qu'elles sont toujours empoisonnées, ces pommes? Peut-être que ça a changé depuis. Voyons voir. Ah non, ça a pas l'air d'aller, non. Oh, et si, avant que je meure et que Marie-Madeleine me mette dans un seau, j'arrive à aller à l'hôtel? Eh oui! Comme ça, je serai protégé! Puisque le pouvoir des hôtels protège tous les trucs négatifs ici. Ça y est, je suis plus malade. Oh, mais je peux manger les autres pommes, alors! Je suis plus malade. Yes. J'espère que je fais pas juste un truc débile qui va nous ramener encore en arrière. Ah si, oh merde. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Je sais pas. Bon. Oh zut. Bah oui, mais Marie-Madeleine, tu me laisses pas beaucoup d'indices aussi, hein. Ah, elle va me mettre dans un pot. Pouf. Pouf. Ah ah. Eh oui, je reviens là. J'avais tout prévu, moi. Est-ce que le pont s'est cassé ou je peux de nouveau passer là-bas, là? Crotte, je suis coincé. Je ne sais quoi faire. Je doute. Quant à la marche à suivre, je sais pas ce qui se passe derrière moi. Ah non, mais c'est le truc... ok. C'est genre, je suis coincé. Je peux... Oh putain, mais je suis presque en plus. Mais tu peux pas t'accrocher, non? T'as pas de bras? Oh, t'as bien des bras, pourtant, en squelette dans ton inventaire, là. L'autre, il a des bras squelettes, il peut pas s'en servir pour monter une paroi rocheuse. C'est la merde. Bon bah, je ne vois plus que le chemin du retour. Hein. Là, il n'y a aucune info supplémentaire, voilà. Le chemin du retour, et puis tant pis. Hein. On mange pas les pommes, on avance, et basta. On retourne là-bas. On a loupé un truc dans le marécage, c'est tout. C'est triste. J'étais si confiant. Ah non, mais je suis bête, c'est la maison là. Eh ben voilà, on va... Oui, bah, donc on va reprendre ce que j'avais dit. À savoir... s'enfermer dans la chambre pour lire un livre. Oh. Mais il y a de nouveau ça là. Attendez, mais là je connais. Parce que si je prends ça, ça ferme les portes. Et après, il y a Marie-Madeleine qui vient nous voir. Voilà. Parfait. Là, ça va fermer la porte quand je vais m'approcher. Clac. Voilà. Et là, il y a Marie-Madeleine qui va arriver. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah oui, il faut que je ramasse une clé et que je sorte. Marie-Madeleine, donne-moi les clés!
J'ai déjà vu cette scène. Donne-moi les clés, Marie-Madeleine. Attends, j'ai pas un truc dans mon inventaire, j'ai pas le cristal sacré là. Pierre runique. Est-ce que je peux pas utiliser une pierre runique pour me protéger de Marie-Madeleine? Ah, c'est dégueulasse. Ça me stresse, ça me stresse. Vite, prends cette boîte de sucre et balance-lui des carreaux à la gueule. Arrête de te casser, Marie-Madeleine. Je m'enfuis. Vite, plus vite, plus vite. Ah, cours, oh, Marie-Madeleine. Hey, oh, 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 oh. J'ai réussi. Oh, j'ai réussi, c'était beau. Je vais sauvegarder. Ah, j'ai triomphé de Marie-Madeleine. Je suis allé plus vite qu'elle. Bah on va refaire le coup hein. Ah non, je peux aller par là-bas peut-être. Je suis jamais allé par là-bas. Parce que moi j'étais allé par là-bas avec les rochers qui tombent et tout. Ça n'allait pas du tout. On va aller par là-bas. Ah, mais je doute qu'on puisse y aller bien longtemps. Et oui. Il y a l'air d'avoir comme qui dirait un problème de passage. Ouais, non, non, sensiblement je ne peux pas aller là-bas. Super. Bah nous aurons essayé, hein. Mais attends, du coup, maintenant que Marie-Madeleine est partie et que ça a ouvert le KGB. Mais je suis bête, mais je vais aller dans le KGB. Mais oui. Mais bien sûr. Allons dans le KGB. Marie-Madeleine. Oh. Pourquoi tu veux pas que je te regarde, Marie-Madeleine? T'es anti-voyeurisme, c'est ça? Elle a fermé toutes les issues de la maison. Elle s'est enfermée. Petite joueuse, Marie-Madeleine. Elle a peur de moi, en fait. Elle fait genre, là, vas-y, j'apparais, je te fais peur, machin. J'apparais dans les toilettes et tout. Mais en vérité, en vérité, je sais qu'elle a peur de moi. Marie-Madeleine ne fait plus le poids. Mm-hmm. Bon, allons-y. Allons retrouver Rodriguez et voir s'il a changé de place entre-temps. Parce que pour rappel, il était quand même pendu dans le marais. Hein. On va voir s'il va mieux et s'il a fait cuire sa saucisse. Après tout, c'est important de bien manger. Même si on peut pas bouffer des putains de pommes. Moi, j'ai des boules. Hein. Je voulais manger ces pommes. Hein. Mais des fois, dans ce jeu, quand tu fais un truc et que ça allait pas et que tu reviens et que tu le refais, bah ça va mieux. Mais là, ça n'a pas marché pour les pommes. Je suis la déception. Ce caillou n'a pas intérêt à me tomber dessus parce qu'il est gros et il m'a m'aplatirait comme une crêpe. Et on pourrait manger des crêpes, tiens d'ailleurs. Rodriguez! Es-tu de retour? Il est de retour, Rodriguez! Yes! Rodriguez, tu m'as pas beaucoup aidé, hein. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait pas une tente là avant? Oh putain, je me rappelle plus du tout. Je vais essayer de reprendre cette arme. Non, Rodriguez, il faut que tu me dises quoi faire. Je suis perdu, Rodriguez! Ouh. Écoute-moi, Rodriguez! Aide-moi, s'il te plaît! Rodriguez, il m'aide pas beaucoup. Hein. Il est pas gentil. Hein. Franchement, on fait beaucoup pour lui et il fait pas beaucoup pour nous. Hein. Ah oui, non, mais là, je passe à travers les trucs et tout. Oh là là, mon dieu, mais je suis perdu. Je suis perdu, les amis. Je ne sais plus quoi faire. Je vais me suicider. Je vais me noyer dans l'eau. Blablabla. Oh non, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pourtant, j'ai débloqué des trucs dans la maison, là. Peut-être que j'ai loupé J'ai loupé un passage qui s'est ouvert. Après avoir enfermé Marie-Madeleine dans la maison, je veux dire, elle peut plus être ailleurs. Et oui, c'est très logique après tout. Je ne sais pas quoi faire. Je suis perdu. Mange ces roseaux. Fais quelque chose. À chaque fois que je marche dans les buissons, j'ai toujours peur qu'il y a un truc à côté de moi. Ça fait très... Voilà, ça fait très peur. Mais alors, ou alors est-ce qu'il faut que je retourne dans les toilettes, là? Dans le... Là-dedans, là. J'ai peut-être loupé un truc ici, cela dit. Eh oui, peut-être que j'ai loupé quelque chose. Des stalactites radioactives, super. Nous on reste à côté, tout va bien. Tu m'étonnes après qu'on devienne complètement ravagé du cerveau.
Parce que c'est vrai que c'est à côté de trucs épileptiques, bah forcément, bah radioactif. Ça va pas arranger nos affaires. Bon, ça nous a fait revenir en arrière. Bon, très bien. Donc, sensiblement, faut pas aller là-bas. Ouais, c'était le petit tour. On passe dans les cavernes parce que c'est rigolo. Là, y'a rien qui a changé. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait une botte ici. Bah, je veux la prendre, moi. On l'a vu, ça. Ouais, c'est avec Yann. On l'a vu, ça. Pourquoi les papiers réapparaissent comme ça? Ça n'a plus aucune logique. Au secours, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Je suis enfermé dans la forêt. Elle se répète tout autour de moi. Et je suis complètement perdu. Envoyez-moi un signe. Un signe, sous-entendu, un signal, hein. Parce qu'un canard, je m'en fous, moi. J'en ai pas besoin de tes pommes. Et par là, là, on peut pas monter? On est allé par là? On n'est pas allé par là? Eh, c'est là la suite! C'est là la suite! Yes! Mais bien sûr que c'est là la suite! Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas mangé de pommes, hein. Alors ça suffit, hein, les maladies. Mais non, c'est pas la suite, ça. Ah ah ah! Jouet. Je me sens tellement seul ici. Parfois, je trouve un jouet avec lequel m'amuser et mon ennui s'atténue un moment. Nous jouons ensemble pour tester leurs valeurs. Ils mentent, trichent, trahissent et font tout pour satisfaire leurs propres désirs. Ils ne sont qu'avidité et lâcheté. Et c'est d'autant plus amusant de jouer avec eux. Mais mes jouets sont fragiles et mes jeux ont l'air de les casser constamment. Et je me retrouve seul à nouveau. Un jour, un jouet plus résistant viendra et on pourra vraiment s'amuser. Oh! Un nounours! C'est le nounours de la cinématique. Oh, il est trop chou. On va l'appeler Tibers. Ah, j'ai ramassé Tibers. Ah, va jouer avec moi, Tibers. Oh, regardez, il est adorable, doux, mignon et gentil. Oh, tout ce qu'il faut passer à un bon moment. Eh ben voilà. Eh, que demande le peuple? Pourquoi tu commences à speeder? Pourquoi ton cœur s'accélère tel un moteur à diesel? Hop, on va sauvegarder. Pourvu qu'il n'y ait pas de Marie-Madeleine entre temps. Yes, j'ai un putain de nounours. Et ça, c'est trop cool. Et on va pouvoir le donner à Marie-Madeleine. C'est comme ça, elle va nous laisser tranquille après. Ça, c'est chouette. Ça, c'est le bon plan, ça. Parce que comme ça, ça fait une distraction. Et oui. Et comme ça, pendant ce temps-là, Rodriguez, il peut l'attaquer par derrière. Avec sa saucisse. Oh là là, c'est bizarre ce que je viens de dire. Oh, le cerf! Oh non! Oh non! Oh non, elle est pas contente. Oh mince, je suis tombé dans un trou, mais j'ai rien vu, j'ai rien eu le temps de voir. Je me suis fait complètement avoir. C'est ta faute, Marie-Madeleine! Tu descends me voir, Marie-Madeleine? Non mais reste en haut, t'es bien là-haut. T'es bien, t'es bien. Laisse-moi tranquille. Elle va encore me surgir dessus en mode ouh, comme ça. Le saut. Mais du coup, on comprend pourquoi il y a le saut dans les écrans de chargement. C'est le saut des pommes de Marie-Madeleine. En fait, c'est juste une fille qui voulait ramasser des pommes dans la forêt. Elle s'est fait attaquer par je ne sais quelle monstruosité qui lui a volé son jouet et ses pommes. Et du coup, elle est vénère. Et voilà. Et maintenant, elle nous enferme dans un seau quand elle n'est pas contente, là. Parce qu'elle est complètement désespérée et qu'il faut lui donner un jouet, genre un ours en plus, pour la soulager. J'ai compris. Allô? Bon. Ah, mais j'ai vu le cerf, là, il était en face. Oh, le nounours! Oui! Tibers, pourquoi tu voles tout seul, par contre? C'est un peu bizarre. Arrête de voler comme ça, t'es pas censé voler. Il prenait soin de nous, il était inquiet, il s'est dit « Oh non, il bouge plus, il faut que je l'aide à se relever. » J'espère, par contre, qu'il est toujours dans mon inventaire. Hein, Tibers? Oh non, il est parti! Non! Reviens là, Tibers! Tibers! Attendez, je peux pas sauter là-bas, là? Ah non, je suis obligé de revenir par là où j'étais. Oh non. Tibers! Il faut que je récupère mon nounours!
Rendez-moi mon nounours.